Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo découverte sur One Piece Unlimited World Red. Un jeu sur Wii U, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est dans l'interface de la Wii U. Et ce One Piece Unlimited World Red raconte un peu... c'est un OAV où ça se passe de 2 ans après. Voilà, dans l'univers de One Piece. Comme vous pouvez le voir, hein, les personnages sont comme... Quand ils se sont entraînés durement séparément pendant 2 années. Donc ça fait plaisir, hein. Et de faire un jeu One Piece qui se situe quand même assez loin dans l'univers de One Piece. On a eu One Piece Unlimited Quiz 1 et 2 sur Wii qui sont faits par la même société et ça a été... des excellents jeux aussi. Ça se passait, je crois, juste après qu'il y ait Kuma qui téléporte Luffy et ses amis dans un autre monde, dans une autre île. Et ce qui est très étrange, par contre, c'est qu'ils soient tous ensemble dans One Piece Unlimited Quiz. C'est un peu une incohérence, mais bon, c'est la magie des OAV. Voilà, il y a toujours des incohérences avec les OAV. C'est pareil pour Dragon Ball Z des fois, quelques incohérences, hein, dans les OAV. Mais en fait là ça reprend pas un OAV, en fait les Unlimited Quiz 1 et 2 c'est, on va dire, un jeu OAV, voilà, c'est ça. Et là c'est la même chose pour ce Unlimited World Red, le 4e épisode des Unlimited, parce qu'il y en avait eu un aussi, Unlimited Adventures, je crois, un truc comme ça, qui se situe entre le quiz 1 et 2 et qui n'est pas sorti en France. Bon, on n'a pas eu le plaisir d'y jouer. Moi, je pense que là, normalement, vous aurez eu déjà les 2 vidéos tests de Unlimited Quiz 1 et 2. Voilà. Même si j'ai pas encore commencé les vidéos tests. Et on va commencer, je voulais découvrir avec vous le mode histoire, mais je vais vous expliquer un peu le mode Colisée. Le mode Colisée, c'est là où je suis à peu près rendu, moi, dans le manga. C'est où il y a Luffy. Attention, gros spoil, bouchez-vous les oreilles. Luffy rencontre Sabo. Enfin, il revoit Sabo. Voilà, c'est fini, ne vous bouchez plus les oreilles. C'était le petit spoil. Il y a un mode duel, ça c'est assez classique. On affronte un adversaire puissant, donc un espèce de boss. Éliminer une horde d'ennemis, là c'est pas un mode survie, mais bon, ça y ressemble. Il y a une horde d'ennemis qui nous attaque avec un boss, je crois. Ah non, là il y a que les ennemis, et là c'est avec plusieurs ennemis et un boss, ou alors 2 boss, et puis c'est tout. Et là la survie, c'est une série de 5 combats, voilà, où on combat à chaque fois 2 boss ou un. Donc voilà, c'est assez costaud. Mais par contre, je vous dis tout de suite, ce One Piece Unlimited World Red, pour l'instant, il est plus facile que les quiz. Parce que les quiz, ils étaient très très durs. Enfin, au tout début, je me souvenais quand on avait très peu d'attaques différentes, là, quand les personnages étaient vraiment pas évolués, l'équipage du Mugiwara, n'était pas très évolué, c'était un peu difficile. Surtout quand on rencontrait, dès le départ Kuma. Bartholomew Kuma, comme par hasard. Donc voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même un casting intéressant de personnages. Il n'y a que les meilleurs personnages. Bien sûr, il y a les 9 persos, l'équipage du chapeau de paille. Et il y a quand même Jinbei, Ace, Trafalgar Law, Baggy, le clown, Boa Hancock, Crocodile et Shanks le roux, que je n'ai pas encore débloqué. Et après il y a sans doute d'autres persos parce que ils se dévoilent au bout d'un moment. Mais je sais pas combien de persos en tout il y a. Mais on verra ça dans le vidéotest, que je pense que je ferai un vidéotest de Unlimited World Red. Là vous voyez la magnifique tête de Law, très bien modélisée. Moi j'aime bien la modélisation hein, de toute façon. Ils ont toujours fait des bonnes modélisations je trouve dans les Unlimited, contrairement à Pirate Warrior où c'est, on va dire, on dirait de la PS2 HD. Ok, on va commencer cette fois-ci. Vous voyez que j'ai joué 7h20, ouais, une petite partie voilà. Mais bon, le jeu est assez long, hein, je pense. Je suis quand même toujours au tout début. C'est juste que le mode colisée, il y a déjà tellement de trucs à faire dans le mode colisée. On voit pas le temps passer et j'ai pas trop avancé dans le mode histoire. J'ai fait que 2 chapitres. Et donc là, on va découvrir ensemble le chapitre 3. Parce que ça m'intéressait de découvrir avec vous. Ça va être un grand moment. Parce que ça va être le moment où on va combattre Lucky. Et quand on était quand Luffy était à Enies Lobby. Donc là ça va reprendre cet arc là, j'ai l'impression. Voilà. Point d'interrogation, on sait pas encore. Modifier l'équipe, bah, vous voyez qu'on peut être que 3 au maximum dans une mission, dans une quête. Et donc on va devoir choisir nous-mêmes nos persos préférés. Hein. Bon, moi, bien sûr, je vais prendre Usopp, parce que Usopp, c'est un beau gosse. Non, je rigole. Il est pas très fort, Usopp. On peut, vous voyez quand même qu'il y a une espèce de... Il y a des statistiques. Il y a des niveaux, mais bon, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. C'est, bah, Luffy, il a un peu plus de PV que Zoro. Plus d'endurance. En même temps, il est au niveau 5. Donc vous voyez, c'est classique. Bon, j'ai 0 PS sur 200, tout est normal. Bon, ce qui est dommage dans ce One Piece Unlimited World Red, c'est qu'on peut pas courir par contre. On peut pas sprinter, contrairement aux anciens épisodes. Mais bon, c'est dommage, mais bon, à côté de ça, les combats sont beaucoup plus nerveux, ils sont mieux. Et beaucoup moins répétitif. Et là je vous laisse la cutscene. Le mystère des feuilles. Ils ont vraiment cherché pour le titre. Oh, mais c'est... Oui, impossible d'oublier cet endroit, c'est Enies Lobby. Vous cherchez Nico Robin? Trash! T'es le gros chat à la tête du CP9! C'est le type au pigeon! Ça faisait longtemps, chapeau de paille! Tu sais où est Robin? Tu me sembles te la... Je me semble... Non, je galère. Il me semble te l'avoir déjà dit, mais j'ai l'intention d'éliminer cette femme définitivement. Et tant que j'y suis, je connais 3 autres personnes dont le monde pourrait se passer. Technique à 3 sabres, calibre 108. De calme, je n'ai pas tué. Pas encore. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Il a bien dit tuer. Voilà, magnifique, j'ai envie de refaire les voix là, attention. On voit pas que ça dans Zelda, vous voyez, il y a aussi dans One Piece, je fais aussi les voix. Ah oui, et d'ailleurs, petite surprise, eh bien... Il y aura bientôt sur la chaîne des vidéos sur Zelda Skyward Sword. Je fais quelques vidéos. J'ai fait une espèce de let's play où je fais que les donjons, voilà. Comme ce que j'ai fait pour Wind Waker. Et puis le prochain Zelda, je pense, si j'ai le temps, ça sera Twilight Princess. Et puis après, le nouveau Zelda, bien sûr, de la Wii U, bien sûr. Et sinon, je vous avais dit que j'achèterais peut-être un nouveau boîtier d'acquisition. Je laisse tomber, hein, je pense. On s'en portera très bien avec celui-là. Même si c'est du 720p, c'est pas encore Beautiful de chez Beautiful, mais... Bon, Déjà que j'ai pas mal dépensé pour mon PC, voilà. Nouvelle carte graphique, nouvelle carte mère, nouveau boîtier d'acquisition, qu'est-ce que je raconte? Nouvelle anime. Enfin, je dis n'importe quoi quand je joue en même temps. Ah, donc voilà, nouvelle anime, nouvelle carte mère et nouvelle carte graphique, et ça va faire un truc de fou. Donc voilà, pour le boîtier d'acquisition, ça attendra. Ah bah, il y a notre pote Franky qui fait l'andouille. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir des jeux PC en 1080p que juste un nouveau boîtier d'acquisition pour avoir tous les jeux de Wii U en 1080p, non? Enfin, je sais pas. Ah, d'accord. Bon bah, on a gagné. Moi j'ai pas fait grand chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, en gros, le boîtier d'acquisition, le nouveau, ça attendra. De toute façon, ça se trouve, le nouveau Zelda il sortira en 2016. Hein. On sait jamais. Donc vous aurez peut-être du 1080p, mais bon. Je me dis en même temps, faut être un peu fou de mettre du 1080p dans un Zelda. De filmer en 1080p dans un Zelda, parce que moi les Zelda, normalement à chaque fois que je fais des vidéos Zelda, ça doit durer minimum 1 heure. Minimum. Maximum 1h30 ou un truc comme ça. Genre comme j'ai fait pour Star Fox ou aussi The Legend of Zelda Wind Waker. En tout cas pour les donjons, parce que j'ai envie de faire le donjon en une vidéo. Voilà. Et donc bah, en full HD, ça va être difficile de uploader une vidéo de 1 heure, c'est sûr. Alors franchement, finalement c'est tranquille quoi. Bon, je me fais défoncer et je vous ai pas trop parlé de la baston, comment ça se passe au niveau du gameplay. Et bien sûr on peut contrer en appuyant sur A ou aussi esquiver. Bah, les contres, ça esquive et puis ça contre bien sûr. Je viens de récupérer 100 berries, c'est incroyable, une somme incroyable, hallucinante. Sinon on a à peu près les mêmes combos, enfin ça se passe à peu près de la même façon que Unlimited Quiz, mais en bien mieux fait. C'est que là il y a vraiment beaucoup de coups différents. Enfin, c'est pas non plus un Tenkashi, hein, attention. Mais franchement, on peut s'amuser. Et il y a vraiment beaucoup de coups différents. Il y a des coups dans les airs. Voilà. Il y a des coups, bah, le classique, les coups avec le bouton X, et surtout les coups spéciaux. Y, c'est les attaques normales. Et sinon, on peut faire quelques combos avec Y et X. Voilà, ça donne. Ok, encore des ennemis. Donc ça donne ça, si j'y arrive. Voilà, la magnifique attaque. Et attention, il y a Zoro. Il a la classe, il a le style. Voilà, il y a bien sûr les attaques aussi spéciales comme ça. On utilise de la mana. Enfin, DPS. Ah, Luffy a évolué d'un niveau. Mais on s'en fout un peu parce que je sais pas trop à quoi ça sert d'évoluer d'un niveau dans One Piece. On va peut-être être un peu plus résistant. Voilà, sinon, ouais, pour ce qui est de la modélisation et des graphismes, ça en jette. Bon, graphiquement, c'est vrai, on pourra peut-être faire mieux sur une Wii U. Mais je trouve que bah, ça fait très... bah, franchement, ça projette bien l'animé, voilà. Ça représente très bien la série animée, quand même. Et les personnages sont franchement très bien modélisés. En espèce de... c'est pas du cel shading, mais bon, c'est... ça fait assez cartoon, c'est vraiment bien rendu. Et c'est bien coloré, comme on a l'habitude sur Wii U. Et on a toujours l'habitude d'avoir des jeux très colorés. Et Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, bah Pirate Warrior aussi, bah, il m'intéresse sur PC. Là, il sort le Pirate Warrior 3 sort sur PC et bien sûr sur PS4 et Xbox One. Et bon, moi, quand j'achèterai la PS4 et la Xbox One, ça sera dans 20 ans. Quand les consoles seront des consoles rétro. Quand ces consoles-là seront des consoles rétro, tout simplement. Bon, par contre, il y a des petits problèmes de caméra des fois, mais bon. Sinon, il y a le même système que Unlimited Quiz, c'est-à-dire, vous voyez les combos en bas, si on les fait tous, les combos, si on les réussit tous sur les ennemis, bah, on est en mode rage, un truc comme ça, je crois. Enfin, où il y a marqué ruée, je crois, en bas à droite, et on peut défoncer les ennemis encore plus, on est un peu plus puissant. On les fait volatiliser et en plus de ça, bah, on récupère pas mal de points de compétences, de PS quand on les tue. Ah, ça c'est un peu pénible, pardon. Le mot pour ce lieu a disparu. Bat les sabreurs portant le drapeau de la marine et obtient le mot. Ah, ça c'est un point faible du jeu par contre. Hein. C'est toujours revenir et battre d'autres ennemis quelque part qui vont popper. C'est un peu pénible par contre ça. Ah, et par contre, j'ai bien fait de faire une vidéo découverte sur ce niveau-là, parce que il en jette. Bon, par contre, j'aime pas la nouvelle skin de... de Franky. Il avait plus la classe avant. Avec sa grosse hupette. Là, il ressemble plus à grand-chose, quoi. C'est ça le problème. Ça fait trop de Transformers... Oula, il y a de la physique avec l'arbre. Attention! On peut bouger l'arbre. Bah, mais sinon... Ah bah d'accord, il y a encore des ennemis. Allez, on va faire une belle attaque. C'est tellement puissant! Ah, et voilà, on a trouvé le trésor. Et quand on trouve le trésor, on peut ouvrir la fissure, quoi, comme vous avez vu avant. J'ai trouvé un mot de clé... Transformation. Ah, c'est sans doute Lucky qui se transforme en léopard, je sais pas. Avec son fruit. Je sais plus le nom de son fruit. Le fruit guépard. Et voilà, on peut continuer. Bon, encore là, c'était pas très long, mais des fois, je me souviens, à Alabasta, c'était bien galère. Parce que la mission d'avant, c'était Alabasta. Ouais, on avance. On doit les aider avant qu'il soit trop tard. Super. Merde. Attends, on va le prendre, notre pote Franky, là, qui a une skin un peu pourrie. Voilà, on select pour changer les personnages. Bon, on peut aussi faire à partir du menu, mais bon. C'est plus pratique en appuyant juste sur select, un petit raccourci. Voilà, là, il nous fait la pose de Ricom dans Dragon Ball Z. Attention. Bon. C'est assez bordélique. Par contre, ceux avec la marine avec les boucliers, là, ils sont très résistants. Ces soldats-là avec les boucliers, ils sont assez costauds. Bon, on les défonce avec une petite boule de feu dans la tête. Je bégaye. Ah, il faut avoir Luffy. D'accord, je peux pas y aller. Ah voilà. Gum Rocket. Et les attaques aussi sont très bien reprises de l'anime, franchement. Bah comme dans l'ancien Unlimited Quiz. Mais le problème de Unlimited Quiz, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaques différentes. Il y avait... Ouais, il y avait pas beaucoup d'attaques différentes, quoi. Il y en avait 10, je crois. Une dizaine pour l'équipe au chapeau de paille, et sinon pour les autres c'est encore pire, il y en avait seulement 3 attaques différentes, c'est moyen. Ah aussi on a un filet à papillon et je me suis complètement viandé. On pouvait prendre l'insecte là. Le scarabée chelou. On ne peut voir que dans l'univers One Piece. Bon, et comme franchement ça fait plaisir quand même de revoir Enies Lobby. Pour moi c'est l'une des meilleures l'un des meilleurs épisodes de One Piece, hein. Quand ils sont à Enies Lobby, j'avais surkiffé, même si j'aime pas trop ce mot. Ah, on bondit sur un espèce de truc trampoline. Bah là Luffy c'est pas rien là, il est en mode fluide là, il comprend plus rien. Là, il utilise le pouvoir royal du Gum Gum, ça veut rien dire. Il y a bien sûr l'attaque H, attention, voilà, magnifique. H. Dans One Piece Unlimited Quiz, fallait faire juste ça, je crois un combo de 3 et pouf, il l'a fait. Mais là il est en mode Gear Second, hein. Il a même plus besoin de faire Gear Segundo pour pouvoir nous faire maintenant des attaques de ce style quoi. Du jet pistol par exemple. Vu que ça se passe 2 ans après, maintenant ils connaissent leur technique à fond. Et voilà, j'ai fait une petite esquive comme vous pouvez le voir. C'est assez jouissif. Même si c'est... En fait j'ai l'impression que c'est ça qui rend le jeu plus simple quand même, c'est les esquives. Les esquives à QTE. Dans l'ancien One Piece, on esquivait que comme ça, là, en faisant une espèce de roulade. Enfin là, il fait pas une roulade, il fait une téléportation, mais c'est plus stylé. Mais voilà. C'est très jouissif, mais bon, en même temps, c'est un peu plus simple, ouais, de faire des esquives où c'est indiqué, alors que dans l'autre, c'était pas du tout indiqué, les esquives. On esquivait nous-mêmes, hein, vraiment. Je ne sais pas trop où faut y aller. On va monter tranquillement. Ah, et aussi bien sûr je ne joue pas avec le gamepad. Je joue avec le Wii U controller pro, qui est 10 fois mieux. Bah, surtout je l'ai acheté pour Super Smash Bros bien sûr. Super Smash Bros for Wii U. J'ai aussi la version Nintendo 3DS qui est très très bonne aussi. Même si bon, faut dire ce qu'elle est, cette version est quand même bien en dessous de la version Wii U. Mais il y a quand même 49 persos, donc c'est pas rien. Mais ouais, je vous ferai aussi un vidéo test ouais, sur Super Smash Bros. Parce que j'en ai déjà fait un avec Firefly de Super Smash Bros Brawl sur Wii, qui était un peu décevant. Parce que la maniabilité, bah, c'était pas ça, hein, et les personnages, ils sautaient comme s'ils étaient sur la lune quoi, c'était très étrange. La maniabilité il était pas tip top. Et sinon voilà, je l'ai eu. Voilà, là il y a un truc à QTE mais je suis une bouse à ça. Je me concentre. Je me suis complètement viandé. Ah. D'accord. J'ai pas compris le truc avec le jackpot avant, mais bon. Donc voilà, je me suis viandé comme un noob. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, que Super Smash Bros Brawl, ouais, était un peu décevant. Que Melee, bah... Faut le dire, c'est le meilleur Super Smash Bros. Et que le nouveau Super Smash Bros, là, for Wii U... Bon, ils ont pas trop cherché pour le nom. Mais il est vraiment excellentissime aussi, et... Bah, en fait c'est une maniabilité entre la version Wii et la version GameCube et bah c'est parfait quoi. Même si j'ai peut-être une petite préférence encore pour la maniabilité de la version GameCube. Je sais pas. J'ai une petite préférence pour Melee. C'est peut-être la nostalgie. Parce que j'y jouais, j'étais vraiment petit. Donc maintenant j'ai vraiment l'habitude à Super Smash Bros Melee. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Bon allez, on va faire une attaque par équipe, si j'y arrive, mais ils veulent pas, si c'est bon. Attention! Bon, le problème de ces attaques, c'est qu'elles se ressemblent quand même, souvent. Elles se ressemblent pas mal, contrairement à One Piece Unlimited Quiz, elles étaient vraiment pas identiques, quoi. Là, on voit juste une image où il y a les trois persos et puis c'est tout, quoi. Donc c'est un peu décevant par contre pour les attaques en équipe. Ou alors faut faire faut faire une équipe... Ah mince, je me suis planté. Faut faire une équipe bien soudée, je sais pas moi. Zoro avec le cuistot. Ce sera totalement logique, hein, Sanji et Zoro. Ils vont faire une attaque de fou, hein, à eux deux. Je suis déjà perdu, je crois que c'est là-bas. Ah moi, des fois ils nous demandent d'appuyer sur R, c'est pour avoir un petit bonus, pour soit récupérer un pixel de vie, ou soit avoir une meilleure puissance d'attaque. Donc saute sur un champoline, pour décoller dans les airs et atteindre les endroits les plus élevés. T'aurais dû me le dire avant, il y en avait déjà un avant. Les champolines peuvent se cacher n'importe où, alors ouvre l'œil. Ouais, c'est si bizarre qu'ils le disent après. Mais bon, tant pis. Ces développeurs, ils avaient oublié de mettre cet indice avant. Pour le premier Champoline. Ah, zone suivante. C'est tellement classe!お前たちが一度は死を受け入れた女を引き止めた場所だ。ロビンは生きると決めたんだ。今のあいつは絶対に死ぬなんて言わねえし、お前に殺されるほど弱くもねえ。悪はこの世に栄えない。闇の正義の名のもとにいずれ裁きが下る。 Ah, on va combattre contre Lucky peut-être. Ah, on ne peut pas s'arrêter, on est la marine. On est tellement borné. Stupide. Je ne sais pas quoi s'y attendre, mais quand même. D'accord, je me suis fait défoncer. Ah, et aussi quand on tombe, on est obligé de recommencer les combos qu'il y a en bas à droite. C'est vraiment le même système que One Piece Unlimited Quiz. Ah, et Zoro vient de gagner un niveau. Et Zoro, il a même pas besoin de gagner de niveau d'habitude. Il est tellement fort. Mon perso préféré, hein, il a tellement la classe. C'est Niwo qui lui a enseigné les nouveaux coups pour les 2 ans. Pour les 2 ans d'entraînement. C'est lui qui l'a entraîné pendant 2 ans. Voilà, on va faire une grosse attaque. Ah, on n'a pas toutes les attaques comme dans le mode Colisée. Normalement Luffy il a 3 attaques, là il en a qu'une. Attaque ultime. Plus bien sûr l'attaque par équipe. Et encore une grosse attaque. Et le One Piece Pirate Warrior, il sera à peu près du même style que celui-là, le 3. Sauf que bah, ça va raconter en fait du début de One Piece jusqu'à Dressrosa, je crois. C'est ça. Quand on va rencontrer Doflamingo. Enfin, quand on va sur l'île de Doflamingo. Jusqu'au Colisée en fait. C'est ça en gros. Donc ça raconte quand même vraiment tout le manga. Normalement le jeu il doit être assez long. J'étais sûr que ce Lucky allait tous les tuer. C'est presque comme si tu ne faisais que les tester un peu. Un problème, Pato. Ça ne va pas. Ah si, ça va très bien. Ça ne pourrait pas aller mieux. Bien. On va voler par là. Let's go. On est à fond dedans. Je m'emporte un peu. Oh non, il a plus de carburant. D'accord. Ah, j'ai cru qu'ils allaient montrer le train, là. C'est dommage. Le train qui passe. Ou après, ils ont remontré d'anciens épisodes de One Piece. Ça, par contre, c'était une petite arnaque. C'est pour ceux qui avaient le cerveau ramolli. Ils repassaient, en fait, les anciens épisodes de One Piece. Pendant qu'il se jetait à la mer, là. Pour pouvoir rejoindre Robin plus loin. Ah. C'est exactement comme ce qui s'était passé à Enies Lobby. Maintenant on combat carrément Lucky ici. Et dans le mode Colisée, j'ai déjà combattu Lucky. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Chapeau de paille. Ouais, il fait ses pas de lune. Ah oui, d'accord, ça c'est... J'arrive pas à esquiver cette attaque. Au début. Ah bah d'accord, pour une fois que je l'ai esquivé. Mais je sais pas trop comment. Il a... On va dire qu'il a arrêté son attaque à temps. Bon là c'est un peu... C'est un peu injuste, hein. On est 3 contre 1. Mais c'est pas grave, Luffy s'en fout. Ouais, c'est pas un Saiyan, hein, Luffy, hein, il s'en fout, hein, de la loyauté. Il combat toujours avec ses potes. Bon, allez. Rob Lucci. On va le défoncer en un coup. Une attaque ultime là, j'en ai une en réserve, même si non en fait j'en ai pas. Allez, rafale. Voilà, il a mal, il souffre le pauvre, il est bourré. Ah, ok. Il y a carrément aussi les navires, hein, vous voyez, qui tirent, attention. Lui aussi il est aidé quand même. Ouais, j'ai encore esquivé je sais pas comment, en reculant juste. Bon, ça a pas l'air d'être un boss bien difficile, hein, franchement. Surtout que j'ai déjà appris ses patterns grâce au mode Colisée. Donc il ne peut plus rien faire contre moi. Allez, d'accord, et là il est stone, là. Il fait plus rien. Il est tellement impressionné par notre puissance, il n'en revient pas. Ouais, boulet de canon. Les effets sont vraiment bien rendus. Des téléportations, des boulets de canon qui explosent. Ça fait très cartoon et franchement c'est... Bah c'est ça qu'on veut quoi dans un One Piece. Dans un jeu One Piece. Ouais. On secoue le stick comme un maboule. Ok, il y a Zoro qui se fait défoncer mais on s'en fout parce qu'en fait il perd pas de vie lui. Enfin je crois pas. Ouais, ils perdent pas de vie en fait nos deux coéquipiers. C'est totalement logique. Ouais, les pas de lune, ça va très vite. Ouais, on est en train de remporter, hein. C'est pas très dur. Il a pas la skill de Oliver Plasma. Oh, encore ses boulets de canon. Il se répète un peu là, Rob Lucci. Avec ses pas de lune là. Par contre c'est dommage qu'on ne puisse pas recombattre ses subordonnés. Je trouve ça dommage. Mais bon. En même temps, le jeu n'est pas que basé sur... on combat ses subordonnés, je pense que ça sera dans Pirate Warrior 3, bien sûr. Par contre, il me fait un peu peur graphiquement, hein, Pirate Warrior 3. Enfin, j'espère que c'est que le trailer, hein, et que le jeu n'est pas encore complètement fini, parce que s'il est comme ça en vrai... Ouais. Mais bon, il m'intéresse quand même le jeu. Ouais, quand tu vois les graphismes, c'est de la PS2 HD. comme pour Pirate Warrior 1 et 2, quoi. Qui était sorti seulement, je crois, sur PS3. Une feuille. Mais c'est là d'où vient le titre. Enfin des réponses, on connaît maintenant l'origine de ces étranges phénomènes. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais la flemme de faire la voix aiguë. Je la ferai grâce au montage. Hé, je les ai trouvés! Hé, Robin, réveille-toi! Oh, ma tête! Ta tête est la dernière chose que j'ai envie de voir au réveil. Oh, et comme ça, peut-être que cette coupe te convient mieux. Ouah, comment t'as fait? Ça doit être trop pratique. Et voilà, l'épisode 3 est terminé. On va pas publier, ça sert à rien. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait de publier des messages un peu inutiles sur Miiverse, mais bon. Ah, tu as obtenu Ne me sous-estimez pas. Maintenant disponible. Nouveau personnage, ne me sous-estimez pas. Sphère noire. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est des boosts en fait qu'on peut utiliser pendant un combat. On peut les faire parler nos personnages pour qu'ils soient plus forts. Au lieu d'une capsule, et ben on peut les faire. Oula. To be continued. Ce qui est énorme, c'est que c'est exactement le même écran que, enfin la même image que. Bah que dans la série. Petit temps de chargement. Je pense qu'on va bientôt se quitter. Bon, on va peut-être voir ce que cache le prochain épisode. Quelle tragédie. J'étais avec Nami et Robin et je n'ai pas pu les protéger. Pire, je les ai mis en danger. J'étais là aussi, tu as oublié? C'est pas grave, Sanji, on était totalement impuissants. Nous aussi, pas vrai, Robin? Ça ne me réconforte pas du tout. Ah, toujours énervé, Sanji. Ah bah, il y a Zoro en plus, hein. Tu sais, si le déshonneur est trop grand, je peux te passer un sabre. Je m'en souviens pas, c'est pas parce que tu t'en souviens pas que c'est pas arrivé. Bon, on va passer les dialogues parce que il y en a un peu trop. Bon, on peut passer, heureusement. Il y a un peu trop de dialogue. Ah, et voilà, nous voilà revenus au point de départ. Sauf que je vous avais pas montré ça, c'est l'auberge. En gros, on peut se reposer, c'est pour sauvegarder. Voilà. On peut sauvegarder et récupérer des objets qu'on a mis dans notre réserve. Pour transporter. Puis voilà, en gros, j'en sais pas trop plus. On va sauvegarder. Donc voilà, ce fut la fin de cet épisode sur Enies Lobby. Donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux combats.